là pour parler du concours Les Mordus du Polar. C'était un concours pour le club lecture de notre collège. On devait lire des livres, enfin il y en avait quatre auteurs qui étaient dans la compétition. C'était super parce qu'on pouvait voter pour des livres et c'était marrant. C'était mes premiers mordus cette année, donc mordus 2019. Ça s'est super bien passé. On sent un prix qui marche, qui est vivant, qui fait plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, c'était la remise du prix. Donc ce matin, il y avait un escape game. Beaucoup d'enfants, super contents d'être venus à l'escape game, super contents de venir au goûter à la remise de prix. Bonjour à toutes et à tous. On m'a annoncé la bonne nouvelle que Eve avait reçu le prix des Mordus du Polar. Et voilà, je suis très touchée et très heureuse de savoir que ce roman vous a plu, que vous vous êtes laissé embarquer dans l'histoire et dans l'enquête que mènent Eve et Eva en même temps. C'est toujours une très bonne nouvelle de savoir qu'un livre a plu et au point d'avoir le prix. Donc merci du fond du cœur. J'espère pouvoir vous faire rêver et vous accompagner dans d'autres aventures avec d'autres romans. Et je vous dis donc à très très bientôt pour d'autres voyages à travers quelques pages. C'est un très bon livre. Et... Je suis contente de l'avoir. Et aussi, ce qui était quand même vachement sympa, c'est l'escape game. C'est franchement, c'était trop bien. Les enfants n'avaient jamais fait d'escape game. Et au début, ils étaient assez réticents à rentrer dans le jeu. Et après, ils se sont pris au jeu. Et c'était vraiment formidable de les voir enthousiastes. J'ai adoré tout ce qui était dans le prix. À chaque fois qu'on allait à la bibliothèque, les rencontres avec les auteurs. Et surtout l'escape game. C'était vraiment super bien. Et du coup, je pense que je vais vraiment le refaire l'année prochaine. Pour refaire à nouveau et relire quatre nouveaux livres qui j'espère seront aussi bien.